Ça y est, c'est tombé. Ah ouais, moi, je suis bouleversé. Ah, moi aussi. Hein. Ça m'a pris. Là. Non, mais regardez, le récap, c'est incroyable. Les trucs de fou. Non, mais sérieux, ça. Apparus en 1958, les Schtroumpfs sont devenus au fil des années des personnages de cartoon emblématiques avec des dizaines d'albums au compteur, des films et des dessins animés devenus cultes. Ça va aujourd'hui ? Mais aujourd'hui, alors qu'un nouvel album s'apprête à paraître, ces petites créatures qui vivent dans la forêt vont pour la première fois être modifiées par de nouveaux dessinateurs. Ça fait des mois et des mois que je refais les pages, je retravaille tout en permanence. En plus de se doter de nouveaux visages, des changements majeurs vont être opérés. Si Schtroumpf costaud va par exemple se débarrasser de son tatouage, Schtroumpfette va quant à elle perdre ses talons. Une annonce choc qui a fait schtroumpfer certains fans de la saga. Alors Schtroumpfette ne portera plus de talons, comprenez-vous cette décision ? C'est quoi la question ? Comprenez-vous cette décision ? Il n'y a plus qu'à lui mettre une paire de couilles, non, mais c'est fini. Hein. Non, mais c'est insupportable. Non, mais franchement, c'est insupportable. C'est quoi le message ? C'est quoi le message ? Les femmes n'ont plus de talons ? Ouais, non, les femmes sont libres, enfin. Enfin, les femmes sont libres. Toi aussi, tu vas être libre. T'inquiète pas, tu vas rester chez toi. Sexiste de quoi ? Qu'est-ce qu'il est lourd ? Attends. T'es sous de quoi ? À ce moment-là, Gilou, pourquoi on ne met pas de talons aux hommes alors ? Non, si on va dans le délire de ton truc où on enlève le talon, les talons pas des tout femmes, suite, là, pas tout ça veut dire qu'on fait, prêt, on fait ce qu'ils. Kelly, vas-y mollo là. On n'aurait pas encore prêt. Non mais ça te plairait sincèrement. Ça veut dire que les femmes sont pas aussi grandes qu'on le pense. Moi, ma femme, quand elle a 20 cm de talon, c'est une autre personne. Allez. Allez, on enchaîne, oui. Non, mais moi, franchement, ça me fait flipper. Bientôt, on va demander à Obélix de faire comme j'aime parce que c'est grossophobe. Je te jure, n'importe quoi. La question que je me pose, c'est en 70 ans de Schtroumpf, est-ce qu'il y a quelqu'un une fois qui a dit tiens, la Schtroumpfette a des talons, c'est oui, sexiste moi. Non, personne n'a dit ça. Alors, en fait, ce qui me fait peur, c'est qu'on veut instaurer une société où on tolère les différences, où on tolère tout le monde. Et en fait, on veut que tout le monde soit pareil. On veut que les femmes soient des hommes, que les hommes soient des femmes. Tout le monde se ressemble. C'est une uniformisation qui fait flipper et c'est n'importe quoi. On marche sur la tête. C'est pas définitif. C'est pour un album. Parce qu'en fait, ils vont faire tourner les dessinateurs. C'est insupportable. Voilà. Oui. J'avais honte de la Schtroumpfette. La Schtroumpfette avec ses talons. Elle me faisait honte de la Schtroumpfette. Non, mais les conneries qu'on entend. Les combats. Non, mais heureusement que tu te retiens de rire parce que sans déconner, tu passerais pour un con. Mais non, mais avec ses talons. J'avais honte de la Schtroumpfette. D'abord avec ses talons. Ensuite, le pire, c'est que c'était la seule femme, vous vous rendez compte, la seule femme maquillée comme ça avec des talons, c'est du sexisme absolu. Mais elle n'est pas maquillée, les Schtroumpfs étaient sexistes totalement. Et enfin, la révolution arrive et vous devriez tous, vous êtes tous des réactionnaires, vous ne voyez pas que le nouveau monde est en marche. Bah. Moi, je dis vive les nouveaux Schtroumpfs, Cyril, et bravo. Et non, on ne reviendra plus en arrière, Valérie, non, jamais. En quoi c'est sexiste ? Il n'y avait pas une tournante sur la Schtroumpfette avec les Schtroumpfs ? Jamais. T'as l'air de dire qu'ils se la tapaient tous. Ils se la tapaient tous. En quoi ? Toi, t'as qu'une fille, c'est sexiste. Le plus gros problème aujourd'hui, c'est jouez pas avec l'honneur de la Schtroumpfette. Ça, je ne laisserai pas faire. Occupe-toi de gérer la tienne. Ça, c'est honteux. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, on veut que les hommes soient des femmes, les hommes soient des femmes, qu'il n'y ait plus de différence. Il y aura toujours des différences, ne serait-ce que physique, ne serait-ce que biologique. Une femme n'est pas un homme n'est pas une femme. Moi, je suis à l'ancienne, je trouve ça très beau quand je vois mon père qui sort de la voiture, qui fait le tour et qui ouvre la porte pour que sa femme sorte. Je trouve ça très joli. Alors, on fait plus, ça aussi ? Elle est obligée d'être en talons ? Non, mais pardon. Non, ma belle-mère est en talons. C'est joli encore les trucs à l'ancienne. Mais laisse la belle-mère voler. Pourquoi la Schtroumpfette aurait des talons ? Pourquoi elle aurait des talons ? Laissez-la enlever ses talons. Parce que tu laisses entendre que si on est des talons, c'est qu'on est un peu et qu'on est blonde, c'est qu'on est un peu en tortille du cul, quoi. Ben non, on peut avoir des talons et être une femme normale. Par définition, ce sont des caricatures. T'avais le Schtroumpf grognon qui fait la gueule. La Schtroumpfette, une caricature, mais c'est honteux ce que vous dites. Non, mais Cyril, moi je peux pas entendre ça. Mais c'est impossible. Moi je peux pas entendre ce que tu dis. Je rappelle que tous les nains n'ont pas baisé Blanche-Neige. Choum l'a pas baisé parce qu'il est allergique au poil de chatte. Mais... les autres, ils s'en sont donnés à cœur joie. Je préférais la belle-mère de Mathieu. Ah, moi aussi, ouais.
C'est là, ça, c'est nous regarde pas. Non, mais ça, je veux pas rentrer là-dedans. Surtout pas. Je rentre pas dans les allergies. Oui. Donc, dans le monde abominable et déconstruit de Gilles Verdez. Ah oui. Moi, je peux plus le monde de Gilles Verdez. Il faudrait que Kelly Bedevelli retire immédiatement ses talons, puisque c'est évidemment sexiste, parce que c'est une injonction de sa féminité. Ah, pas du tout. Elle a le choix. Elle fait ce qu'elle veut. Or, la Schtroumpfette a-t-elle le choix de mettre des talons? Elle était une paire de baskets. Tu crois pas que la Schtroumpfette n'existe pas, connard? Mais t'es con, quoi! Mais qu'il est con, ce mec! Non, mais c'est pas possible! Il y croit, lui! Si les gens allument la télé, là, non, ce mais, débat... Non, mais il croit que c'est une vraie meuf, le gars, il a cherché, tu sais! Non, mais Gilles Verdez, il aime qu'on dise plus mademoiselle, parce qu'il trouve que c'est sexiste. On n'a plus le droit de dire mademoiselle, on n'a plus le droit. Ben, moi, je le dis, il aime qu'on appelle Pantin c'est Pantine, parce qu'il trouve que c'est bien, parce que c'est, voilà, c'est un bon symbole. Franchement, t'es complètement décadent, Gilles. Pas bah, du t'es tout. Décadant, elle a rien du tout, parce que ça veut dire, mais t'es décadent. Ouais, mais sous des apparences progressistes, en fait, t'es décadent, t'es fou. T'es décadent, du tout. Quand on n'a pas fait de référendum pour les retraites, je pense qu'il faut faire un référendum pour ça, et je pense que 100% des gens y ont fait ridicule. On va voir ce qu'on pense. Oui, mais c'est les forces de la réaction qui vont s'exprimer. Mais n'importe quoi, reste un peu, à part tes amis, là. On les connaît. À part tes amis, voilà, 3%, c'est tes amis, c'est le prochain score qu'ils feront. C'est le score qu'ils feront aux prochaines élections. Voilà, je te le dis, tes amis, là. Non, mais à part tes amis qui disent ça, là. On les connaît. On les connaît, on les connaît, on les connaît. On les connaît. Qui veut réagir On a mis le paquet là, quand même, non Et alors, et toi, et mamie J'ai honte pour Gilles, la prochaine étape, c'est quoi? Une grosse paire de couilles qui dépasse de sa mini-jupe? Allez, franchement, excuse-moi. Tout ce que je voulais éviter. La vulgarité. Insupportable. Non, mais c'est insupportable. Insupportable. Tiens, petite info là, importante. Sacré combat quand même. Petite info très importante là, pour moi. Je vous